Opo Obia for Yaoundé. Okay. René Meka. Je vous informe que vous avez envoyé un hélicoptère qui a déposé des gens, vous hommes, vous sauts hommes, que vous appelez les spécialistes, les militaires, au territoire de l'EBLM. Je les ai vus bien descendre. Moi, je ne voulais pas violer la loi internationale pour tirer celui qui descend par le parachute. Bon, je vous dis, ils ont descendu dans mon territoire. Attends donc pour accueillir le cadavre. Vous m'avez vu, vous m'avez promis que Fimacha est mort depuis l'an passé. Mais je vous ai dit, je vous ai montré que Fimacha est bien vivant. Et vous, petits militaires, je vous répète encore. Moi, je pense que quand la guerre est très forte, il faut envoyer les états-majors. Vous appelez quoi les spécialistes Libye ici et consorts. Moi, je vous insulte encore. Je dis que vous, corps militaire et bien consorts, vous n'avez aucune force pour bagarrer, pour venir faire la guerre avec Fimacha. Je suis bien prêt maintenant. Je vous ai informé avant le 1er octobre. Fimacha, je suis bien vivant. Je suis bien en santé. Bon, vous-même, vous voyez ma gabarit. Ce que vous avez envoyé ici, là, les esclaves, vous avez encore fait descendre par l'hélicoptère Asie, précisément. Je vous dis donc que, attendons à accueillir le cadavre. Un jour, le peuple de la République de Cameroun, vous avez rencontré à tous les enfants des gens. Je vous dis, et pour bien, Bi Mvodo, à Yaoundé, je te promets, il n'y a aucun jour que tes militaires pour avoir la tête de Fimacha. Vous m'avez formé demi, mais je me suis bien formé ailleurs. Il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. Tu as fait d'abord un faux. Tu appelles le dialogue. Le dialogue, quel dialogue tu fais pour bien? Tu dis que tu pars à Limbé pour aller construire le port de Limbé. Tu dis que tu vas aller faire un aéroport international à Tico. Vous êtes tout bête. Bête. Bête comme les fesses. Vous êtes bêtes comme le fesse. Vous cherchez, mais je dis, je vous demande quelque chose. Vous, le ministre de la Défense, et Paul Bia lui-même, à Yaoundé, attends, il vous demande quelque chose. Mais, vous cherchez quelqu'un que vous ne pouvez jamais voir la personne, même s'il est devant vous. Vous êtes bête ou quoi? Vous êtes bête? Vous avez déjà vu combien de l'ennemi militaire à l'EBLM? Combien ont rentré? Posez toi-même la question. Vous avez déjà envoyé combien l'armée à l'EBLM? Combien l'armée